comprendre le besoin de chacun et savoir se mettre au diapason par rapport à ça. Après, il y a une qualité bien évidemment commerciale qui est liée pour toute la partie des négociations avec les clients vendeurs acquéreurs, la partie accompagnement. Bon, ça reste toujours l'humain en soi, hein. Mais après, il y a une partie que pour moi qui est très très importante, c'est de la rigueur et du professionnalisme. Je travaille en priorité sur le secteur de Bordeaux. J'agrandis mon secteur dans tout ce qui est Bordeaux métropole. Je peux même aller ailleurs en France. J'ai eu un ancien client qui m'a contacté, qui me disait « Ah, j'ai un bien à Aberpoche. » Alors, c'est dans l'est de la France, dans les Alpes. Je n'arrive pas à le vendre. Ça fait 2 ans que j'arrive pas à le vendre. J'ai appelé un collègue Optiop qui était sur le secteur et on a pu travailler ensemble et vendre l'appartement en bout de 1 mois. On est en plein confinement. On a eu plein de problèmes administratifs. Mais on a réussi à signer l'acte et Monsieur Vivier, si vous voyez cette vidéo, il a été ravi et hyper content. C'est un gros question ça. Endurance, enthousiasme et rigueur. Et c'est la joie de mes acquéreurs et vendeurs qui arrivent dans des situations pas forcément évidentes à l'origine et qui finalement arrivent à aboutir à leur projet. Donc ça, c'est vraiment le côté fantastique de notre métier, c'est qu'on crée du bonheur. Mais pour moi, c'est un énorme plaisir comme ça de créer du bonheur sur des acquisitions, sur du long terme en plus. Et souvent, moi, je garde un contact et une liaison avec beaucoup de mes clients. Et quand je les revois, c'est toujours des moments agréables. Ils m'invitent régulièrement à manger chez eux, donc ça fait partie un peu cool pour ma part.